l'année passée tellement difficile, c'est pas la peine. On a perdu beaucoup des hectares aussi, parce que les lots là, beaucoup ils demandaient. Si on cultive des riz, des maïs, des bongo, tu vois tout ça. On cultive des concombres. Et cette année déjà la coopérative s'est engagée. Les gens ont commencé déjà à faire les planages parce qu'ils ont déjà espoir. Ils ont vu que les canaux sont curés, la consolidation du digue, la brèche qui a provoqué l'inondation a été réhabilitée et en cours de réhabilitation. Donc ils ont l'espoir que cette année ça va aller.